Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et auditeurs. Je m'appelle Maître Rems Machako. Je suis le directeur des études de législation statistique et comptabilité à la DGRNK. Nous avons suivi sur le média un communiqué officiel de M. le gouverneur du Nord-Kivu annonçant un bouclage. Est-ce que cette opération est confirmée? Oui, elle est confirmée. D'ailleurs, juste tout à l'heure, nous venons d'une réunion, mixte. DGRNK, PCR et Transcom, où nous venons de mettre la dernière main sur ce qui est prévu pour lancer demain le bouclage. Donc le bouclage démarre bel et bien demain et nous demandons à tout le monde de s'y prêter. Et ça va se passer comment ce bouclage? Ce bouclage, il y aura des points de contrôle où il sera requis aux différents usagers de la route de présenter certains documents de bord. Et dans ces documents de bord, nous visons essentiellement la vignette et le permis de conduire. Et ça coûte combien, la vignette et le permis de conduire? La vignette, elle dépend de la catégorie de la puissance fiscale ou de l'utilisation du véhicule. Pour certains véhicules, ça coûte 36 $. Pour d'autres, ça coûte 51 $. Pour d'autres, c'est 80 $. Pour d'autres, ça va même jusqu'à 101 $. Pour le permis de conduire, nous délivrons des attestations en tenant lieu et il coûte 20 $. Que dire de ceux qui lancent des messages pour amener la population à ne pas respecter cette opération?